Bon, putain. Prends Monster Hunter World. The war changed everything. The fields became graveyards. Encore le son à fond, je t'entends pas. The cities, slaughterhouses, and the people turned into monsters. The whole world was an abyss of blood, fire, and pain. We all lost something. Some of us, all of it. But life refuses to let go. We had to keep on going. Find shelter. Something to cling to. And here we are, driven to the gates of the great forest. We enter this godless place with nothing but our hope and our will to survive. With each new step, there comes a new question with no easy answer. But there's not a doubt in our hearts. We are not wanted here. Purée, j'avais pas vu la cinématique en entière, mais l'arbre à la fin, avec les mecs incrustés dans l'arbre. Ouais. C'est... ça fait un peu flipper. Tu m'étonnes. Ça me pète tout. Et salut tout le monde, et bienvenue sur Joe's Gaming pour un nouveau petit jeu. Un jeu de survie à l'ancienne, si je puis dire, parce que ça se joue jour par jour, avec un temps d'action prédéfini, et on verra ça, on vous montrera ça à peu près. On connaît pas trop. Il est en français déjà, faut le noter, je suis avec Joe aussi. Salut tout le monde. Mais il est en français, et putain, moi c'est déjà quelque chose qui est... excellent, parce que j'en avais marre déjà en anglais. Bon, après, faut trouver, hein. Fallait trouver. Là, je suis en train de monter. Le truc, il est juste en bas, là. Faites attention, si vous cherchez pas pendant 10 ans. En été, bigle, c'est un truc de malade. Ouais. Par contre, est-ce que ça veut dire que non, tutoriel, c'est toujours en anglais. Enfin, bref. Donc, le but du jeu, vous êtes dans un village avec plusieurs personnes. C'est que des joueurs, par contre. Il n'y a pas de PNJ ou quoi que ce soit, c'est que des joueurs. Et le but du jeu, donc, c'est de survivre le plus longtemps possible. On a déjà eu 6 morts, quand même. 6 morts? C'est violent. Ouais. Il y a déjà 6 morts. Enfin, ouais. Donc, comme d'hab, dans la survie, toujours pareil. On a besoin de quoi pour survivre? De l'eau, de la nourriture. C'est essentiel. Et après, c'est essayer de fortifier le village. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas trop non plus. Ils nous demandent des matériaux ainsi que des points d'action à mettre pour augmenter la défense. Et si Joe appuie sur Tower. Et donc chaque jour, il y a une force d'attaque. Donc il y a des ennemis qui vont attaquer. Et il faut que la défense soit supérieure à la force d'attaque pour survivre une journée de plus. Donc pour le moment, on est plutôt bien. 120 défense, la force d'attaque est entre 58 et 69. C'est acceptable. Et du coup, je sais pas si tu vois, mais on peut faire le guet pour 3 d'énergie. On peut faire le guet une fois par jour, ils disent. Ouais, c'est pour savoir combien ils seront. Enfin, plus il y a de personnes qui font le guet, plus on saura combien il y a de force de l'attaque à combien ils vont attaquer. Mais bon, là, vu qu'on est à 120, ça sert à rien d'utiliser 3. Ouais. On sait très bien qu'on va les exploser. Exactement. Donc, c'est parti, on va essayer de chercher des ressources, hein. Vu que moi je suis un incompétent à tout ce qui est création, craft, etc. Et je suis un
un ouvrier, donc je peux porter pas mal de choses. Autant aller chercher des ressources, parce C'est que ça. oui, on peut sortir du village, et c'est ça qui est stylé. Après, mais c'est toujours pareil, on sait toujours pas comment on fait pour Oui, pour se mettre ensemble, ouais, pour se mettre pour ensemble. savoir. Peut-être Du qu'il faut coup. sortir du village. On verra. Ouais, peut-être. On se voit peut-être sur la carte. Du coup, je voulais dire, là, vous voyez ma fiche de personnage, donc conditions. Vous avez plusieurs conditions, donc revigoré niveau 2, vous avez confiance en vos chances de survie, et cela affecte chacune de vos actions, donc ça a réellement un impact dans le jeu, et ça peut changer chaque jour, ou en fonction des actions qu'on fait, donc c'est vraiment pas mal. Là, bon, bah, vu que moi on a été en romance pendant une nuit, on a le moral qui est à fond, hein, logique. Ouais, ça c'est super bien. Par contre, juste pour info, là, moi je suis une femme et Oz est un homme. Par contre, je sais pas si ça marche si on est du même sexe. Alors, je pense que ça fonctionne. Ouais, tu es? Ok. Je pense. Du coup, là j'ai Faudra soif. tenter. Donc je dois boire de l'eau. Sans boire, vous récupérez moins d'endurance au repos. Ok? Et je suis affamé. Vous voulez mourir de faim et si je reste sans manger, je perds de la santé. C'est assez embêtant. Vous avez une jauge de morale. Donc morale est à fond. Pour l'instant, ça va. Et ça, c'est mes avantages. Donc, on a des traits de personnalité en gros. Je suis concentré, donc j'ai un bonus sur toutes les actions qui sont sur l'artisanat, la pêche et le tir. Pas négligeable. Et je suis magnifique. Donc, en gros, la romance, c'est cool pour remonter le moral. Voilà. En disant que les avantages, en fait, vous choisissez au début les avantages que votre personnage aura ainsi que les objets, mais c'est choisi aléatoirement. Est-ce que tu peux le faire autant de fois que tu veux, l'aléatoire, ou c'est un nombre fixe? J'ai Je sais pas. l'impression que tu peux le faire autant de fois que tu as. Sinon, il y Voilà. aurait un décompte, je pense. Et bon, il a de la chance parce que normalement, vous avez aussi un malus, la plupart du temps, un troisième stat, un malus. Par exemple, moi, je suis maladroit, donc tout ce qui est dextérité, voilà. Il faut pas. Bon, en soi, on a deux persos complémentaires, donc ça va. Ouais. Autoriser le mode escorte. Oui, il faut que je rappuie. Bien. Ah, il faut que je mange. Donc pour manger, vous avez l'inventaire, votre inventaire. Et la Pourquoi il n'y a plus de d'armes ni rien dans la réserve? Il s'est passé quoi? D'accord. Bah je vois Voilà. la réserve du camp, il n'y a plus rien. Ah, c'est un petit bug parce que moi je vois Ok. qu'il est fou Non, en fait ça copie mon inventaire. Ouais, donc c'est un petit bug. Du coup, j'ai mangé du poisson. là. Jeu open bêta, hein, il s'appelle Grimwood. On l'a pas dit ça. C'est ça, gratuit, hein. Bien sûr. Ah oui. Vous avez un peu faim, donc on va remanger, histoire d'être full. Hop, utiliser. Parfait. Du coup, là on voit la carte, on va expliquer un peu. Du coup, pour partir, on se met vers où la carte là? Moi, comme je te dis, le mieux, je pense que ce serait d'aller en 17-11. C'est un terrain forêt avec 3 points d'intérêt. Et donc, il y a les sous-bois, le bosquet clair et le bois sombre. Comme ça, on pourra récolter ces ressources qui sont quand même indispensables. Le bois sombre et le bois clair sont indispensables pour tout ce qui est renforcement. Le Donc, 17-11, c'est vers où là? sud-est. Là, il y a Paul qui est dehors. D'accord. T'es En dessous parti. de Brocoli Race. Non, je suis pas encore parti. Pour ça. Allez, je vais au sud-est, comme ça tu devrais me voir. Attention, vous quittez maintenant la sécurité du village, mais vous êtes de retour la nuit. Comme si je le savais pas. J'ai pas Ok. envie de crever dans la Buvez un forêt. peu d'eau avant de quitter le village. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de boire de l'eau. Attends, je reviens. Oui. Donc il y a un puits qu'on peut stocker. Toc toc toc. Ah non, en fait, c'est pas que je mets l'eau dans le puits, c'est que je peux remplir ma gourde d'eau. Oui, parce que t'as une gourde, espèce d'enfoiré. Ouais, que j'ai trouvé par pur hasard. J'ai encore faim. Hein. C'est terrible. Mais le problème c'est que je peux pas. Attends. Je vais juste vous montrer donc les amis. Là c'est le Town Hall. Donc on voit le statut de tous les villageois qu'il y a dans le. De tous les villageois, tout simplement, de tous les autres joueurs, avec toutes les actions qu'ils ont effectuées, voilà, vous pouvez tracer. Et vous pouvez bannir les gens. Par contre, le faites pas
Pour rien. Ah voilà, merci d'avance. Allez. On est parti, sud-est donc. Ouais, 17-11, je suis, normalement tu devrais me voir. Nouvelle zone, c'est parti. Je suis en 16-11. Ouais, c'est pour ça, c'est sud-est, sud-est et ça. C'est deux fois sud-est. Ah oui, ah, ah salut, oh c'est trop stylé. Hop 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 hop. Attends, est-ce que je peux cliquer droit? Non, ça fonctionne pas, non, il y a rien. Donc on peut se déplacer comme ça, mais ouais, l'énergie c'est pareil. Donc voilà, on est dans une case avec trois points d'intérêt. Normalement, les points d'intérêt, il faut les trouver. Voilà, les trouver. Bon, là, ils sont trouvés, ils ont été trouvés par quelqu'un d'autre, donc super bien. Et on va essayer de récolter quelques ressources pour le village ou pour nous. Tout dépend comment vous, vous voulez. Efficacité moyenne. Chercher la nourriture. Efficacité. C'est 5 d'énergie quand même. J'ai rien trouvé, d'accord. Ramasser du bois. Oui. Bois de chauffage élevé et bois sombre. 5 pour 5 d'énergie, j'en ai eu 2. C'est dur. Bois de chauffage abondante et bois clair 73. Le sous-bois, c'est bois de chauffage. J'en ai rassemblé et... qu'un. Non. Ah non. Sous-bois, c'est quoi? Bon. Dépense pas toute ton énergie dedans, à la limite, on va voir la case de... après. Ah, tu veux faire de l'exploration? Bah, autant aller. Si on voit une case en bas à droite, je crois que c'est de la... une nouvelle case. Ouais, en bas. Une forêt. En bas à gauche, il y a 4 points d'intérêt, dont des étangs, 2 étangs, herbage utile pour être rassemblé ici, et ensuite infuser. Oh, des potions. Pourquoi pas. Allez, vas-y. Tu fais le scout? Le scout? Ah oui. C'est bien là, juste en face? Oui, oui. Le sud, et après on va en sud-ouest. Okay. Alors, du coup, on fait de la reconnaissance. Pour 5 d'endurance, ça me dit s'il y a des ennemis. Il n'y a aucun ennemi, donc c'est cool. Donc j'ai pas besoin d'activer le mode furtif pour pas me faire repérer. Go. Une fois qu'on arrive dans la nouvelle zone, j'ai un cercle. En gros, c'est le cercle de... comment dire? De découverte. Dans tout ce cercle-là, quand je fais une recherche, j'ai une chance de trouver un point d'intérêt. Est-ce que je vois... ah, je vois pas le tien. Point d'intérêt 0 sur 1 et on sait même pas ce que c'est. Si, c'est des biches, je crois. Donc j'ai été là. Je vais sur la gauche. Tu fais tout le côté droit, je fais tout le côté gauche. Ok. Ok. Très bien. Si tu veux voir que c'est au milieu. Hein. À tout moment. Et non, je l'ai pas trouvé. Eh ben moi non plus. Bon, viens, de toute manière, ça fait rien. Autant aller en sud-ouest. Il y a 4 points d'intérêt, franchement, si on ne trouve pas. Ne pas afficher, donc j'y vais en reconnaissance. Je fais une reconnaissance. Il n'y a personne. On ne voit pas en furtif. Ok, ça a déjà été trouvé. Super bien. D'accord. Sur moi, l'ancienne partie. Condition, hein? Commence à avoir soif et faim. Bah, et ton. Je commence déjà à avoir soif, moi aussi. J'avoue, pour boire. C'est pour ça que le temps, c'est super bien. Oh, je pense que je vais essayer de prendre... des herbes. Répéter action. Chercher les... bah je cherchais aussi de façon... menthe sauvage, tiens, pour le thé à la menthe, ça c'est bien. Aucune nouvelle... et fruits rouges. Je crois que j'ai trouvé un truc rare. De l'ail noir. Thym doré. Menthe sauvage. Bon. Ah ouais. Regarde en fonction nous aussi de ta place, hein. Fais attention. Ouais. Bah ça va, je m'étais totalement vidé donc large.
Au niveau du poids. Du coup, le poids, c'est pour les amis, c'est la petite jauge qui est juste au-dessus en vert. Qui est marqué kilo. Ça, c'est cool. Voilà. Du coup, Bon, par contre, c'est bête, on n'a pas pris de hache ni rien. ouais, mais moi je préfère prendre pour le bois de chauffage. Je pense qu'on en a plus besoin. Bois de chauffage. Ah, bah, trois bois de chauffage d'un coup. Deux. Deux. T'es à combien d'énergie? 160. Je suis à 150. Qu'est-ce qu'on peut faire? En dessous, Bon, il y a bah. un ennemi. Je suis bien. Pff, on le fait. Non, sud, il y a un ennemi. Non mais Deux points calme-toi. d'intérêt à Tu gauche. Un seul. veux vraiment te fight quoi? Si on remonte un petit peu vers le nord, le nord-ouest, on a une zone avec trois points d'intérêt. Y a une espèce de campement en plus et un coffre au trésor. Ça peut être intéressant, je pense. À gauche, t'as dit? Ouais, nord, ouais, nord-ouest. Ah bah vas-y, En essayons. 15-12. Essayons, essayons. Reconnaissance. Aucun ennemi, c'est bon. Alors, comment? Voyons voir. Mais ça a déjà été fouillé. Un endroit isolé. Utiliser l'espace de stockage. Ah, d'accord. Ah, c'est Bah, le quelqu'un qui campement, a en fait un fait, ça. campement. Ok. Oui, ça sert à rien. La réserve cachée, y a rien du tout. C'est bizarre, ils disent que c'est pas découvert alors que c'était full découvert. Hein. Oui, mais le premier jour, pas le second jour. Ah ouais, parce que tu penses que ça peut changer? Bah oui, en fait, tous les casques que tu vois ont été découverts le premier jour, et grisé, ça a changé en fait. Tu peux avoir des ennemis, ou pas. En fait, c'est comme ça en fait. On va aller au sous-bois là, encore au sud-ouest. Ouest, Allons-y. sud, ça c'est nord-est, nord-ouest. Nord-ouest. Oui, nord-ouest. Il y a les sous-bois. Essayons de récolter de la nourriture, des trucs comme ça. Des champignons. Des pommes, c'est très bien ça. Vous avez beaucoup de choses dans votre inventaire. Augmentera. Champignons, baies, champignons. Mission échouée. Sauvage, des baies. Je crois que je commence à être vraiment lourd. Moi, ça va en Ouais. vrai. Enfin, je trouve pas des trucs très lourds. Mais t'as de la chance. Après, tes trucs sont peut-être mieux. Des noix. Quantité limitée, ils me disent. T'as à combien d'énergie? Parce que Je suis à 83. je suis à 50. Je vais arrêter. On va rentrer tranquillement dans le village. On a Et le une. point. De toute façon, on est à une case du village. Ouais. Enfin, ouais, techniquement, ouais, une case, mais ça fait 2 dés d'énergie. Donc, je sais pas combien ça coûte. 10 là. Oh, il y a une pierre tombale au-dessus. Sérieux? RIP? Ouais. C'est pas un mec de nous qui est mort? Si, mais bon. On peut récupérer non. Bah, sûrement, mais quelqu'un a dû passer par là. Tiens, Donc, pour aller herbage. là. Donc, ça me coûte 10 d'énergie, donc autant continuer. Du thym doré. Thym Aïe, doré. noix. Rien. Rien. Des fruits rouges, ok. De l'ail noir. Des fleurs d'aiguille. Je trouve des trucs qui sont que de quantité moyenne, donc ça doit être plutôt bien. Il me reste 40 d'énergie, 35 d'énergie. Hein. Pense que je peux pas faire plus. Reste 31. Je cherchais encore un petit peu. J'ai rien trouvé. Fleur d'aiguille. Et bim, du thym doré. Voilà, donc c'est bon. On peut y aller. T'as combien Let's d'énergie? go. Et il me reste 16. Donc je peux faire que aller dans le village. Encore en train de crever de faim.
Ah oui, mais la nourriture, tu m'étonnes. Ok, village, cool. Bon, ça va, on a récolté pas mal de choses. Ah bah là, je suis plutôt content. On a chopé moi ce truc pour le village. Crois qu'on a rapporté plus de choses qu'on a consommées. Oui. C'est bien. Les fruits rouges, j'en ai trouvé 3. C'est surtout le bois de chauffage. C'est super bien, ça pourra nous faire de la nourriture. J'en ai 15 sur moi, donc Moi, j'en ai eu voilà, on est 10. passé à 34, ça fait 34 de nourriture, ce qui est extrêmement bien, je trouve. Ouais. Et j'ai 6 d'énergie que Ah, je le vais mettre. thym doré. Le thym doré. Si, ils en avaient déjà trouvé, ok. C'est des potions de guérison spéciales, encore plus puissantes que le thé à la menthe, on dirait. Workshop. Alors, potion de sanglier stimulera votre métabolisme et augmente instantanément votre faim. Votre instant d'énergie aura un impact sur votre sommeil. De plus, il se peut que votre estomac ne le supporte pas très bien. C'est mauvais plan, ça. Potion de l'aigle, vos sens, mais vous rendra anxieux. Potion de l'ours, du lapin, diamante, on connaît. Le thé de Potion. guérison, ouais. Ah, il y a pas mal de trucs. Et on peut faire du bois de chauffage depuis là. Ah Deuxième ouais. page. Moi, c'est Avec en du bois élémentaire. clair. Ouais, c'est ça, mais c'est bois clair et une hachette. Donc Bon. ça coûte cher. Coûte cher. Alors que là, on peut en grailler juste en énergie, quoi. Et C'est vrai. le bois clair, ça doit nous permettre de construire quelque chose, non? Je sais pas. OK. Autant construire. Yep, je vais faire de ça. Faire de la viande grillée, tiens. On a 38 jambonneaux. Autant faire un peu de viande. Ah oui, autant faire de la bouffe pour tout le monde. Hop. Ok. Ce que je vais faire, c'est je vais carrément prendre. Je vais prendre un tout petit peu de nourriture pour que demain, quand je me connecte, ben je vais direct ce qu'il faut pour enlever la faim. Mon affamé. Ah, je suis en... ah oui, non, je suis encore affamé. Oh, j'ai soif. Bord de l'eau. Là, je suis en train de voir, c'est quoi ce truc? Bâtir et fortifier ces pitoyables constructions que vous appelez tours de garde pourraient être vraiment utiles si vous avez des gardes et des armes à distance pour organiser une véritable défense. Ah, donc tu peux mettre deux gardes. Ok, d'accord. Mais après, il faudrait essayer d'augmenter les douves. Les douves, ça peut être bien, ou la porte. Ah, ça va, Avoir il y en a qui ont une rajouté forte de l'énergie pour résistance. les douves. Je vois ça. Oui, mais pareil pour la porte là, on est à 100 sur 400 et la porte ça peut être super bien. Parce que je sais pas si t'as vu là dans le récapitulatif, le résumé, mais dans l'attaque ils ont réussi à détruire la porte hein, dans l'assaut. Oui, j'ai cru hier ça. Certaines créatures ont essayé de prendre la porte d'assaut, 5 monstres. La porte a subi de gros dégâts, 5 dégâts. La porte s'est effondrée, laissant l'accès libre vers votre village. Bon, personne n'est rentré dans le village, donc ça c'est super bien, mais il faudrait augmenter la résistance de la porte, etc. Donc il faudrait mettre un peu de poing là, à la porte renforcée. Vrai, Mais alors. je sais pas combien de personnes ils étaient avec en train de défendre, mais ils se sont bien débrouillés. Ben, normalement, il n'y en a que deux qui sont. Ah, quoique non. Non. Tu sais, c'est dans ta maison. C'est dans ta maison que tu veux choisir si tu te défends ou tu te caches. Ouais. Après, je sais pas ce que ça fait si t'es protecteur. Pour le moment, moi je me cache parce que la défense elle est plus élevée
que l'attaque. Et par la suite, je me défendrai. Par contre, je pense que si on est en défense, il faut que t'aies sur toi une arme, je pense. Ouais. Pas la logique voudrait. C'est ça, la logique voudrait. C'est énervant hein, quand ton perso crève la dalle tout le temps. Je sais pas pour toi, mais hier Ah. soir, je m'étais revigoré à fond. Non, mais faut pas faire ça en fait. Parce qu'en fait, à chaque début de jour, ils te remettent à soif et faim. Oui, À mais chaque début du il faut jour. pas être affamé, il faut juste avoir faim à la limite. Oui. Oui. Parce que si tu restes juste en petite faim, tu perds la santé mentale. C'est vrai. C'est vrai, t'as entièrement raison. Donc faut faire attention à tout ça. Bon, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais participer. Participer à quoi? Sociabilisation. Je vais participer avec les autres, voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais bon. Un peu dégoûté, tu sais, par rapport à ma compétence charognard. Je peux donc trouver plus de ressources et des objets utiles autour de la forêt, mais j'ai trouvé aucune ressource, objet utile. Les ressources, on en a chopé quand même pas mal, ce qui est bien, quoi. Bois de chauffage, on a dit une trentaine. Ouais. Mais alors, pour tout ce qui est ressources. Bon, après, c'est pas ce qui manque, hein. On voit bien, on a pas mal de trucs. Et je sais pas si on peut les créer. Ah, très bonne question. Ouais, on peut créer, d'accord. Bon bah voilà. J'espère les amis que ce premier épisode vous aura plu. Toute manière, on va continuer, nous, jusqu'à ce qu'on crève, hein, au moins qu'on termine cette première survie avec d'autres personnes. Et ça, dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire de cet épisode. Et t'allais dire. Non, j'allais juste dire, est-ce que ça vous a plu? Parce que moi, franchement, c'est des jeux que j'adore. Il n'y a presque rien à faire. Enfin, entre parenthèses, t'es limité par rapport aux actions que tu peux faire. Mais c'est toujours plaisant de voir combien de temps tu vas survivre. Et j'ai hâte de voir ça. Parce que là, on est qu'au deuxième jour. Je pense que d'ici le cinquième jour, ça va partir en couille. Totalement. Allez, tous tout le monde. Ciao, ciao.